Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que nous étions éprouvés. La communauté avait perdu un grand de Dieu, qui est le prophète Kiara. La raison pour laquelle, par rapport à ces deuils, nous avons suspendu. Sur la quantité ou la mesure de la poussière d'âme. La quantité ou la mesure de la poussière d'âme. Voilà, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Mais d'abord, nous allons d'abord chanter avec le docteur Assé qui est à mes côtés. Isungi na ba koloe makas.
makasi nanga koloe kolo yesu makasi nanga koloe kolo yesu makasi nanga koloe Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, mon connaissance, nous remercions le Seigneur, le maître de l'être du mouvement, pour cette faveur, cette disponibilité d'être encore devant vous. Ok, juste une petite exhortation, comme nous avons dit au début. Ok, Zachary Lengisi, quel est ton texte? Nous allons nous exhorter sur la quantité ou la mesure de la poussière d'Adam. Je pense que plusieurs sont en train de se faire. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner la quantité ou cette mesure de la poussière d'Adam. Et l'autre, nous allons apprendre à copier sa vie, et tu es meke loana, il y a zéro basé là qui a d'abord. Sans plus tarder, nous prenons l'écriture. Vous méritez ton juif, l'icône. Nous sommes dans le livre de Esaïe, chapitre 40, le verset 12. Nous allons dire tout kouminei, dans la tala zomi nami bali. Juste une exhortation de plus ou moins 15 à 20 minutes. Et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Pekolokota zelo ya mabele na moko katia misato ya imeke. Ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Kolokota zelo ya mabele na imeke na moko katia misato. Dans d'autres versions, un tiers de mesure devient un boisseau. Ah, na bamatangi mosusu moko katia misato babengi yango boisseau. Ok, selon cette écriture, nous venons de comprendre que Dieu a ramassé la poussière de la terre. Ici, nous insistons, Dieu a ramassé la poussière de la terre. Et on précise la mesure. L'écriture précise la mesure. La quantité ou la mesure de la poussière de la terre que Dieu avait ramassée est de un tiers. Vous voyez? On ne peut pas se limiter dans cette écriture. Nous sommes en train de nous poser une question. Dieu a ramassé la poussière, bien sûr que Zamba
mais où est-ce que Dieu a ramassé cette poussière? Nous devons chercher là où Dieu a ramassé la poussière de la terre. En fouillant les écritures, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous tombons dans une écriture qui nous donne la précision sur cette question. Où est-ce que Dieu a ramassé la poussière de la terre? Prenons Genèse chapitre 2, le verset 7. Le docteur Péli. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ok. L'Éternel est Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Yahweh Nzamba Salaki Moto na zelo ya mabele. En d'autres termes, lorsque Dieu forma l'homme, tango Nzambe Salaki Moto, la première des choses, il avait ramassé la poussière. Et loko yambo alokota de mabele. Dire tout simplement, voilà pour le kakete. Là où Dieu a ramassé la poussière de la terre, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 7. Lorsqu'il formait l'homme, Dieu avait ramassé la poussière. Regardons dans le livre de Genèse. Moïse n'a pas fait mention de la quantité ou de la mesure de cette poussière que Dieu avait ramassée. C'est là où nous disons que les grâces se complètent. Les prophètes doivent marcher ensemble. Et c'est ce qu'on appelle l'enseignement. L'enseignement, c'est un habit. C'est faire coudre un habit. Prendre Esaïe, l'associer avec Jérémie, avec Osée, avec Moïse, un autre prophète. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Remarquons là où nous avons vu Dieu ramasser la poussière de la terre, c'est dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Moïse n'a pas donné la mesure, mais Esaïe a donné la mesure. Il y a d'autres écritures qui ne parlent pas beaucoup, mais il y a d'autres qui donnent des détails, parce que les grâces se diffèrent. Là où Genèse chapitre 2, le verset 7, c'est dû sur certaines précisions. Et si Kawa Pibukemane Mokabambale Tantra Sambo, et Fanny Kimia n'a coupé sa sikia. Donc l'homme a été formé par la terre. Salemaki Namabele. En d'autres termes, Dieu, c'est un prophète. Mais le Bébé Moussoum Zambaza Moussakoli. Le prophète vient toujours avec un signe prophétique. Moussakoli Akakana et les Moyalisakoli. Et lorsque Dieu a pris la poussière, la terre pour former l'homme, c'était tout un signe prophétique. C'est comme Esaïe qui va se déshabiller. C'était tout un signe prophétique. C'est comme ça que Dieu marche avec les prophètes. Et la formation de l'homme, c'était aussi un signe prophétique. Amen. Par rapport à Dieu. En prenant la terre, Dieu savait bien que l'homme devait tomber. Parce que l'homme était devenu comme une maison bâti sur la terre. Et l'écriture précise que la maison bâtie sur la terre, lorsque le vent vient, le vent souffle, cette maison finira par tomber. Et raison pour laquelle,
dans le livre de Genèse chapitre 3. Le serpent qui est venu vers l'homme, c'était ce vent-là qui est venu souffler. Dieu, comme le sage architecte, il avait testé sa maison. C'est-à-dire, après avoir formé cette maison, il devait le tester par le vent. Et ce vent, c'était la présence du serpent. C'est pourquoi certaines épreuves qui nous arrivent, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui avons cru en Jésus, il y a certaines épreuves que Dieu permet. C'est pour tester si la maison est solide. Et lorsque le serpent est passé comme vent, directement la maison était tombée. Dieu savait que Adam devait tomber parce que lorsqu'il avait formé Adam, il avait formé par la terre. C'est comme dans le livre de Job, chapitre 1. Là, on nous parle des fils de Job. Ils sont allés fêter dans la maison du premier-né. Et lorsque le vent a soufflé, cette maison est tombée. Par là, nous comprenons. Cette maison était bâtie avec la terre. La maison du premier-né de Job. Là où tous ses fils se sont retrouvés. Cette maison était bâtie avec la terre. Raison pour laquelle, lorsque le vent souffla, et la maison tomba. Vous voyez, ce que vous devez comprendre, c'est que cette maison parlait du premier Adam. C'est là où nous tous nous sommes retrouvés. Et lorsque le vent qui est le serpent est passé, la maison s'est écroulée. Nous tous nous sommes morts dans cette maison. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais la mesure de la poussière que Dieu avait utilisée, ou la quantité de la poussière, fit de un tiers. Un tiers, c'est la mesure de la poussière. Raison pour laquelle, si vous prenez les Écritures dans les livres de la vérité, docteur Assez, par la grâce de Dieu, le peuple sera béni. Ah, docteur Assez, Angolan, parce que nous vous avons promis sur beaucoup de choses que nous n'avons pas encore exploitées. Mais comme par la grâce de Dieu, nous avons repris les enseignements, ces choses-là que nous avons promis. Par exemple, le vrai nom de Moïse. Parce que le nom Moïse, c'est un nom égyptien. Mais lorsque Moïse était né, ses parents l'ont gardé pendant 3 mois. Et pendant ce temps-là, on l'appelait par quel nom? Il est né sans nom. Ou on l'appelait par quel nom? Par la grâce de Dieu, nous allons parler de toutes ces choses. Encore le calendrier d'Adam. Parce que vous allez enlever tous vos calendriers romains dans vos maisons. Et nous allons vous donner le véritable calendrier de l'Adam. Qui est aussi un calendrier prophétique. Le calendrier que Dieu a donné à Adam. Regardons. Là j'insiste. Dieu nous donne des choses difficiles.
Dieu nous donne un ministère qui explique des choses difficiles. Ce ministère doit être aussi capable de résoudre nos problèmes compliqués. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, mais regarde. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 8. Ok. Docteur Assé commence par le verset 7. Apocalypse 8e, le verset 7. Tu descends en bas. Disons, c'est là où nous allons nous limiter. Il y a d'autres surprises qui nous attendent. Ok. Les premiers sonnats de la trompette et y de la graine et du feu mêlés de sang. Nous sommes dans les trompettes. Oksana Kati Yabakelelo. Continue. Qui furent jetés sur la terre et les tiers de la terre fit briller. Ok. Et les tiers des arbres fit briller et toute herbe verte fit briller. Ok. Continue. Les second anges sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par les feux fut jetée dans la mer. Oh. Et les tiers de la mer devint du sang. Ok, les tiers. Et les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourir. Toujours tiers. Et les tiers des navires périt. Ah. Continue. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur les tiers des flèches. Oh non, tu peux te limiter là. Ok. Vous voyez? Dans cette trompette-là que nous venons de lire, Monina Bakelelo Totikotanga, vous allez remarquer, on répète toujours cette mesure-là, un tiers. Mais seulement vous allez voir, le jugement dont il est question là concerne toujours le un tiers. Et c'est toujours le un tiers. Le jugement concerne le un tiers. Regardons, le un tiers, c'est la mesure de la poussière. Et dans le livre de Genèse chapitre 3, après la transgression de l'homme, Dieu donnera la poussière comme nourriture au serpent. Et il dira à l'homme, tu es poussière, retournera dans la poussière. C'est-à-dire la poussière, c'est l'homme. Vous voyez? Et c'est l'homme-là, cet homme-là, il a été donné comme nourriture du serpent. C'est-à-dire le un tiers comme l'équivalence de la poussière, c'est la nourriture du serpent. Raison pour laquelle sur le plan prophétique, il y aura un serpent qui se levera, c'est l'antichrist. On lui donnera aussi la nourriture. On lui donnera la nourriture. C'est-à-dire tous ces gens-là qui vont suivre l'antichrist. C'est ça la nourriture du serpent. Maintenant, cette nourriture-là du serpent, c'est ça l'équivalence d'un tiers. Un tiers, c'est la poussière. Alors, lorsque le Seigneur viendra avec le jugement, il visera le un tiers. C'est-à-dire, lorsque aussi Dieu prélevait cette quantité-là pour former l'homme, au début, j'avais dit que Dieu était un prophète lorsqu'il formait l'homme. En prenant le un tiers, il savait que cette poussière deviendra aussi la nourriture du sang. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais nous vous exhortons d'être élargi au lieu de la poussière. Na isika poza la putulu.
L'argile, c'est cette terre-là qui est mélangée avec l'eau. Mais la poussière, c'est la terre sans eau. Là, on ne voit pas la parole. Comme conséquence, qui sera la nourriture et la proie du serpent. C'est ça le un tiers. Mais si vous vous attachez à l'évangile de la vérité, l'évangile éternel, vous avez l'eau. Comme l'argile. Et là, le serpent n'aura pas de pouvoir sur vous. Termine par l'écriture de Job chapitre 10, le verset 9. Job 10, le verset 9. Le verset 9 vient. Nous lisons au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? C'est-à-dire, me réduire en poussière qui me livre au serpent. La poussière, c'est une terre sans eau. Regardons, je suis déjà en train de fermer mon livre de la vérité. Ma Bible. Mais je dis ceci. Vous savez, toujours dans Genèse chapitre 3. Après la transgression de l'homme, Dieu viendra maudire la terre. Il a maudit la terre. Vous savez, la malédiction de la terre. Dans Genèse et dans Deutéronome chapitre 28, la malédiction de la terre, c'est la fermeture du ciel. Deutéronome 28, le verset 23. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que la terre fut maudite, cela veut dire tout simplement que Dieu avait fermé le ciel. C'est-à-dire, la terre n'avait plus d'eau. C'est là où la terre était devenue déserte. Juste après la chute d'Adam, Dieu avait fermé les ciels. C'est ça la malédiction de la terre. Alors, quand on parle aussi de la poussière, c'est cette terre-là dont Dieu a fermé les ciels. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous tous qui avez la pluie qui est l'évangile éternel, l'évangile de la vérité, attachez-vous à cet évangile. C'est ça seulement l'exhortation. Ne devenez pas la proie des philosophies des hommes. Ne devenez pas la proie des enseignements des hommes. Mais devenez la part de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, le lundi aussi, nous allons passer un direct. Ça sera toujours dans le cadre de l'école de l'Orient, la grande lumière. Vous allez voir la tina Orient pour les amonnés. Alors, je pense lundi, si Dieu le veut, nous allons parler sur Job. La bande que mon collègue Yambo pose sur le domaine de la tina Yobo. C'est-à-dire le temps où Job a existé sur la terre parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ok. Tango Nino Yobo a zaragi na mabele pour boulou et qui continue à ma camarade. C'est-à-dire la personne de Job. Nous allons d'abord fixer le temps de son existence. Tout dans le livre de la vie. Que le Seigneur Jésus-Christ. Ok, si vous avez des questions, nous sommes là. Le travail a déjà repris. Ou nous venons déjà de reprendre le travail. Vous avez des questions? Vous avez des préoccupations, le sujet des prières, le ministère est établi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si on pourra terminer sans chanter encore. Ok, on va chanter.
Gloire au Seigneur. Papa, na malo banayo
sambo nanga yelo oyanoli yango eh sanjolama sanjolama pasa tutto yema sanjolama bravo señor sanjolama yesu masia moyo kilo sambo oh yesu masia moyo kilo sambo Seigneur, oh, Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Ciao.